c'est David Fèvre, viticulteur en Champagne. On se retrouve aujourd'hui pour une séance de mécanique. Voilà, on va commencer à préparer ce tracteur, donc le Technoma U70, donc tracteur de 95 chevaux. On va commencer à le préparer pour le travail du sol. Alors là, ce qu'il y a de monté, c'est l'épandeur d'écorce. Il a servi juste au mois d'octobre un petit peu. On n'a pas pu s'en servir pendant l'hiver à cause des intempéries, tout simplement. Donc je vous remets en lien la petite vidéo que j'avais faite justement sur le fonctionnement de ce chantier d'épandage d'écorce. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil pour mieux comprendre comment il s'utilise. Voilà, donc aujourd'hui on va démonter cette caisse épandeuse en totalité et puis on va remonter les porte-outils sur le tracteur. Donc les porte-outils, je vais vous montrer ce que c'est. Donc les porte-outils, c'est cette partie là avec ici une barre de travail où on va adapter les outils. Et donc les outils qu'on va remettre sur ce tracteur là, je vais m'approcher. Alors là on prépare pour faire les travaux de sol, mais c'est toujours pas séché, il pleut un jour sur deux, donc on peut toujours pas y aller. Je vous disais il y a quelques temps un petit peu mon inquiétude quant à la préparation des sols, ça s'accentue puisque on n'a toujours pas des conditions qui permettent de sécher les sols. Donc on va quand même préparer le matériel. Il s'agit des petits supports comme là. Donc c'est assez lourd. Voilà, donc c'est des disques qu'on va orienter et qu'on va poser donc sur la barre que je vous ai montré. Et là on est sur des disques crénelés et on va démonter ce disque. Et puis petite nouveauté, on va mettre ce qu'on appelle des disques émoteurs. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça sur la vidéo. Allez, c'est parti. Voilà, donc l'épandeur est composé de deux parties. Une première partie ici avec un tapis qui vient acheminer justement sur la route. Je vous montre jusque là. Voilà, donc on va déjà démonter cette première partie et puis dans toute cette grosse partie, la grosse caisse, qu'on va ensuite retirer avec l'élévateur. Alors on va s'approcher un peu pour la partie la plus, la plus dure à enlever de l'épandeur. Donc j'avais fait une petite pièce justement comme ceci pour appuyer, puisque à partir du moment où le tapis est très très incliné, c'est difficile de le retirer avec l'élévateur puisque c'est quand même assez lourd. Donc du coup cette pièce là permet de maintenir en fait toute la longueur. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser les deux boulons qui sont là. Voilà, il n'y a en fait plus que ça qui le tient. Et puis ensuite, il est maintenu juste à l'intérieur, vous voyez la bride qui est là. Donc il y aura juste à dévisser la bride, dévisser les deux, on va pouvoir le reculer tranquillement. Voilà, donc le premier tapis est retiré, on va maintenant retirer la caisse. C'est assez facile puisque il y a quatre fixations, donc vous en voyez une. Donc c'est un petit piton qui rentre ici dans un gog. Il y a juste à déboulonner ici, retirer les flexibles comme il faut et l'enlever par le dessus, c'est assez simple. Allez, on va déjà écarter les fourches de l'élévateur. Et voilà, allez, on va dévisser. Voilà,
Alors ça y est, la caisse est enlevée, vous avez vu, ça va assez bien et c'est assez rapide. Voilà, donc on va remettre le porte-outil qui est ici. On l'a retiré au préalable, vous avez vu justement, il y a le tapis qui vient de ce côté-là et donc on ne peut pas garder cet outil. Donc la barre qui va contenir les outils, le porte-outil est bien monté, c'est un petit peu lourd. Donc là on va mettre deux morceaux de fer plat justement pour aider la barre à se guider. On va les mettre ici. Bien boulonné. Donc vu du dessus. Donc voilà, ces deux morceaux de ferraille vont être bien vissés à l'horizontale le long du guide ici. Et ce qui va éviter, eh bien, au porte-outil de travailler de gauche à droite, il sera bien maintenu. Et donc ça évitera à l'outil d'aller eh bien, se diriger dans la mauvaise direction, donc soit à gauche, soit à droite. Cette petite patte va vraiment maintenir les outils de sol pour que ça travaille vraiment d'une manière rectiligne. Voilà, donc on va maintenant remettre donc, cette barre ici. Donc c'est tout simplement la barre qui va maintenir le terrage avec donc, cette petite chaîne-là, qui va empêcher eh bien, à l'appareil complet de descendre trop profond. Voilà, donc on va pouvoir monter maintenant les outils sur eh bien, ces gogues qu'il y a ici. Donc on va déjà commencer par mettre un morceau de ferraille ici et puis on va pouvoir mettre les disques ici et l'autre côté. Voilà, donc j'en ai monté un juste pour vous montrer. Donc voilà l'inclinaison du disque. En fait, pour vous expliquer le fonctionnement, donc ça va prendre de la terre qui va être proche du rang pour le rejeter justement sous le rang. Donc il y a plusieurs réglages. Il y a donc un réglage ici, j'espère que vous voyez, un réglage donc où l'appareil pivote entièrement sur lui-même. Ici, il y a une inclinaison de l'appareil pour rejeter, je dirais, plus ou moins de la terre. Et puis il y a un dernier réglage juste ici pour la donner encore un petit peu plus d'angle et bien pour faire mordre un petit peu plus l'appareil, justement savoir si on a besoin de faire plus ou moins de terre. Donc là je vais juste et bien les installer comme ça, on verra le réglage dans la vigne suivant la dureté du sol, mais je vais surtout déjà remettre le disque et moteur à la place.
Voilà, donc c'est monté. Il n'y a plus qu'à serrer l'ensemble et vérifier un petit peu tous les serrages partout. Je vais ensuite monter les trois autres, puisqu'on en met donc, vous l'avez vu, un de chaque côté. Donc voilà pour eh bien, les réglages et puis les essais. Bon, on verra un petit peu plus tard. Vous voyez que justement, j'ai fini encore sous la pluie. On n'a pas une journée eh bien sans pluie. Mais c'est comme ça, c'est un printemps humide. Ça va bien sécher d'ici la fin du mois de mars. En tout cas, on l'espère bien. Je vous montrerai ça justement, ces nouveaux outils, comment ils fonctionnent et justement, s'ils sont plus efficaces que ces disques-là. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Salut !